Wesh les waouh, je suis désolé, je vais vous déranger quelques secondes avant la vidéo. Je vous mets dans le contexte. Alors moi et Camille en fait on était en embrouille. Il faut savoir que avant le prank, Khalid m'envoie un message. Gros, est-ce que t'es chaud, on fait le prank? Moi je réfléchis, je me suis dit mais il y a pas meilleur moment pour faire le prank tout de suite. Tu vois, vu qu'on est en embrouille, jamais elle va s'en douter. Et c'est ce qui s'est passé. Elle s'en est jamais douté. Je tiens juste à rappeler que tous les habitants de la villa, on dirait dans les anges, tous les habitants de la villa sont au courant. Alors on va voir Samantha, j'ai cassé un verre, etc. C'est fait exprès. Tout le monde est au courant, ne vous inquiétez pas. Alors les frères, faut savoir que pour ce prank là, il y a deux caméras pour deux POV différentes. Eh oui, les mecs. Mais s'il a évolué, il investit. Eh oui. Donc, sur ce, je vous laisse regarder ça. Bon visionnage à vous. Je vous lève les fouets et les seuls. Je me suis envoyé avec Camilla. Je me suis dit, c'est le meilleur moment pour le prank du coup. Parce qu'il y a ce qu'il attendra avant. Enfin. Là, on est en train de tourner un prank. Je me suis envoyé avec Camélia. Je me suis dit, c'est le meilleur moment pour la prank du coup. Parce qu'elle s'y attendra vraiment pas. Et c'est quoi en fait? C'est comme je me suis envoyé avec elle. J'ai dit à Khalid, t'allais la voir. Et en mode de me rabaisser, en mode, tu vois. En mode de faire le suceur. Comme ça, moi, je passe. Et boum. Je vais essayer de faire le suceur. Et on s'est envoyé ça pour beaucoup. Et on va voir la réaction de Camélia, de Lina, des filles de la maison, de Cyriano, de tout. On va essayer de faire une petite embrouille. On va essayer de caler la caméra. C'est compliqué. On va essayer de caler la caméra, les frères. Bon visionnage à vous. J'espère que le jeu d'acteur, il va passer de fils de pute. Donc, voilà. Après Khalid, je vais me parler. Il m'a dit, j'ai même pas parlé. Khalid, je vais me parler. Il m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais tout expliquer. Je lui ai dit que ouais, il m'a dit que je faisais des vidéos que quand il tournait des vidéos et tout. Après Khalid, il m'a dit, ouais, c'est dingue ce qu'il fait et tout. Après Khalid, j'ai venu. Il a dit, wallah, c'était vrai. Il a dit à Kémis, ouais, par là la raison. Et Kémis, ça a fait frayer. Il a dit, vas-y, ok. Il se contenait, et après c'est pour ça que c'est parti en couille. Mais arrêtez, je suis pas
Mais ce qui n'allait pas bien, oh wallah. Mélina, elle m'a dit qu'Amélia, il semble bricoler. J'ai dit, mais c'est impossible. Ma canard, c'est une canard, mais tu sais, je dois en plus. Oui. Mais en fait, c'était une embrouille avec le cœur. Comment ça peut être un prank? Non, voilà que c'était un prank. C'est bien. Elle est tellement allée loin que les acteurs se sont fait mal. Il m'a envoyé un message, il m'a dit que prank. Tellement les acteurs sont bons, ils se sont fait saigner. Ils sont allés loin. Les gars, minimum 100 000 vues. Mais voilà, vous êtes trop. Il montre les preuves après, c'est bien. Je vais repartir. Je voulais faire un prank. Non, vous êtes sérieux, mec. Oh, c'est mon frère, Khalid, voilà. Et encore moins comme des zigotos comme ça, les frères. Voilà, c'est un prank, les frères. Voilà, c'est un prank, c'est mon frère. Ça, c'est rien, ça, c'est des petites griffures, c'est des petites balades. C'est avec la mia. Bah, on s'est battu comme des tigres, vous croyez, c'est ça qui est. Voilà, j'ai joué. Caméra. Réaction. Bah, je sais pas quoi dire. Tu vas être des cons. T'avais chaud? Elle t'a bien pleuré, parce que. Elle m'a dit, mais Skemi, c'est ton ami, Khalid. Elle est trop mignonne. Mais voilà la Adem, que voilà, vous êtes trop fort. Kémis, je te connaissais par cœur. Genre, je le connaissais par cœur. Moi, t'étais énervé, mais vraiment. Genre, je voyais ton visage et tout. Je me disais, il est énervé. Voilà, que c'est le but du prank. Je suis bien, j'envoie un message à Ali. On est pas les jeux de passage. Ouais, on a pas eu de patate, on a juste. J'envoie un message à Ali, je lui ai dit, beau prank. Et elle est cramée. Et là, elle m'a dit que. Pourquoi ça balance? Mais non, mais elle m'a dit. J'ai pas ça, elle m'a dit quand. Ah, je pense que c'est un prank, encore en mode. Non, elle m'a dit quand vous êtes en bruit dans la chambre, je pense que j'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Head, elle était là, c'est une embrouille sincère avec le cœur et tout, il y avait aucun zéro. En plus, il y avait vraiment une bête de monde. Ouais. Dans la mine là, tu l'as pas vu, c'est qu'elle était là. Donc, mais t'as pas cramé les. Quand on a filmé. Il y avait un téléphone là-bas en POV. Elle nous racontait l'histoire en vrai. Moi, j'étais en train de filmer ce qu'elle nous racontait. Ouais, ils se sont embrouillés dans la chambre. Ouais, non, mais c'est une grande. Mais en fait, il n'y a pas de prank quand c'est une vraie. C'est un vrai truc. En vrai, Kémis, Raid, il m'a défendu. Kémis, c'est énorme. Tu sais que la première embrouille, j'avais déjà fait le cardio. Je vais battre avec lui, il m'a attrapé. J'espère que ce prank vous aura plu. C'était compliqué de le tourner, on a réussi. Voilà, il y a des. À quel bon moment. Voilà, on a quel bon moment. Merci à Camé. Camé, c'est. Elle est pas bien. Merci à Lina, merci à Haïd. Merci à Fares aussi, à la régie, Seriano. Merci Fares, à Alias. Merci Alias, le garde du corps, mon frère. Mais bref, on est soufflé là, on fait des gros bisous. On va être direct, hein. À la base. Gros bisous à vous, frères. Bye.